Séville. Nous dirigeons vers Séville. Et on va faire quoi, Séville? Nous allons découvrir Séville. Le palais des rois, l'Alcazar, les jardins, la cathédrale et les beautés de la ville de Séville. On est dans la galère ce matin. On s'est fait cambrioler le camion hier soir en allant nous promener dans Séville. On n'a pas eu le réflexe de faire des photos du camion cambriolé, on aurait peut-être dû. Mais je vous avoue que sur le choc, c'était un peu raide quoi. On n'a plus rien, plus de papier, plus d'ordi, on n'a plus que dalle. Donc là ce matin, on cherche le commissariat pour aller faire des déclarations et puis. Voir avec après les assurances. Le matériel encore on s'en fout, on va se débrouiller, mais voilà, tous mes disques durs externes, tous les souvenirs de vacances, voilà, tous les souvenirs de voyage depuis 10 ans, les films qu'on préparait, tout est disparu et ça c'est dur. C'est très très dur. On essaie quand même de profiter, Séville il fait beau, c'est beau. Une fois qu'on aura fini les démarches administratives, on va se reprendre un petit café au soleil histoire de repasser en mode positif. Bon bah voilà, on a passé une journée à Séville. On est content, on a passé la journée à chercher les commissariats. Jusque depuis ce matin, 9h30, on est allé de commissariat en commissariat qui sont fermés le samedi. Savoir, même certains policiers entre eux visiblement n'ont pas l'air de le savoir vu qu'ils nous ont promenés dans plusieurs adresses. Voilà, on a fait quand même une escale beauté au centre commercial parce qu'on a invité à un mariage ce soir. Donc voilà, histoire de s'acheter une petite chemise, une robe. Vous savez, il est passé chez le coiffeur, il est tout beau. Et voilà, moi aussi, ça nous a un peu détendu. Et puis on a fini par arriver à déposer plainte quand même là. En fin d'après-midi grâce à la coiffeuse qui a gentiment appelé un ami policier qui nous a expliqué dans quel commissariat se rendre, qui est un commissariat de garde et donc qui a bien voulu prendre notre dépôt de plainte. Donc maintenant on va pouvoir enclencher les assurances pour nous rembourser tout ce qu'on nous a volé, qui va nous manquer évidemment pour la suite du voyage puisque on n'a plus de drone, on n'a plus aucun équipement vidéo, on n'a plus d'ordinateur non plus, donc on ne peut plus traiter les vidéos, on va les faire avec nos iPhones. Voilà, ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va faire avec, on essaiera quand même de vous partager un peu les vidéos à venir et voir ce qu'on peut faire des vidéos passées, voilà, ce sera peut-être moins réactif que ce qu'on voulait. Voilà, allez, on est en route pour le mariage. Nous sommes arrivés au mariage dans une magnifique hacienda à 25 minutes au nord de Séville. Nous avons fait la surprise aux mariés de répondre à leur invitation en se présentant, mais ils ne savaient pas. Donc du coup, voilà, ça a été une belle surprise pour tout le monde, beaucoup d'émotions et un très bon moment. Voilà, nous sommes dimanche matin, donc on a passé une belle soirée de mariage. Hier soir, c'était vraiment sympa, ça nous a fait chaud au cœur. On a fait une surprise de se présenter au mariage. Et les gens étaient vraiment hyper, hyper heureux de la présence de Cyril, de me rencontrer aussi. Donc ça nous a fait beaucoup de bien, cette dose d'amour. Ça nous réconforte un peu des événements qui nous arrivent. Et puis voilà, on va prendre la route pour aller à Madrid. Demain au consulat et faire toutes les démarches nécessaires pour avoir au moins récupéré nos passeports et on espère la carte grise du véhicule aussi pour pouvoir passer au Maroc comme prévu. Donc pour l'instant, suspense, on verra demain ce que nous dit le consulat.